J'aime ma vie comme elle est, sans réveil matin, sans alliance, sans impôts. J'étais libre avec mon piano et mes potes. Ma vie était réglée comme du papier à musique. Jusqu'à ce mardi de mai. C'est qui? Non, arrête, c'est rien. Non, c'est un mec de ton âge. Oui. Vous la verrez, les mecs. Elle a des yeux, elle a des dents. Elle a des dents? Maman, j'ai ma chemise trempée, je peux t'en prendre une? Non, Suzy, tu mets tes affaires, s'il te plaît. On m'aurait dit que t'allais sortir avec une meuf qui a trois mômes. Non, mais en j'aurais rigolé pendant une heure et quart. Je devais foutre son tube de 70 ans dans le cul. Il va voir. Sacha, voici Suzy et Louis. T'aimes pas? Moi non plus. Il est marrant. Bon, écoute, je vais te dire comment on agit, Claude. Tu l'appelles aujourd'hui, tu lui dis que tu t'enfermes pour bosser et que tu la rappelles la semaine prochaine après Mogador. 7h30. Oh, je suis trop en retard. On s'appelle. Oh, ça fait 30 ans qu'on rêve de ce spectacle. On devrait y bosser jour et nuit. Il y a un rêve de trop dans ta vie, mon vieux. Oh, pardon. Bonsoir, monsieur. Bah, tu connais mes avocats? Tu pars si tu veux, mais c'est sans les garçons. Il est hors de question que leur niveau de vie baisse et qu'ils soient élevés par un raté. Pas quoi? Entrer en conflit avec Alain, risquer la garde de mes enfants. Toi et moi, on s'est rencontrés trop tard. C'est fini. Faut plus jamais que tu la revois. Je sais. C'est pas une histoire qui peut durer, de toute façon.